j'ai nommé, je vous en prie, monsieur le secrétaire général, soyez le bienvenu, monsieur le secrétaire général. Est-ce qu'on peut vous arracher quelques mots, s'il vous plaît? Est-ce que... Il est très fatigué, François. Est-ce que vous pouvez... Ok, là, on a parti pour des réunions, hein? C'est pour des réunions, c'est pour voir comment Afrique, il va se vanter devant. C'est dans cette canière, dans cette viabilisation qu'on a commencé à se motoriser. C'est dans cette canière qu'on a commencé à se gogosser. Tout ça, c'est ça. C'est pour voir comment Afrique va s'avancer devant. C'est pour réunion, on est parti. Mais quand je me suis descendu, j'ai eu un peu de vertige. Parce qu'il a coupé mon cœur. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de parler même. Bien, monsieur le secrétaire général, vous pouvez continuer parce que... Mais je vais dire quoi encore? Bien, monsieur le secrétaire général, nous avons appris que vous avez été l'objet de l'accueil chaleureux lors de votre mission, est-ce vrai? Vous voyez, quand j'ai descendu tout à l'heure là. Non, là-bas. Mais comment là on peut me cueillir dans le chalet? Là-bas, j'ai fait 6 mois, je n'ai pas vu soleil. Là-bas, c'est accueil froid, c'est pas accueil chaleureux. Ah bon? Mais c'est quoi, c'est pas là, ou bien quoi? Monsieur le secrétaire général. Ah. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général. C'est pas palabro, c'est pas palabro. Monsieur le secrétaire général. Ouais. Est-ce que l'on peut connaître l'état de santé qui existe entre votre organisme et les congrégations à caractère politologique? Ouais, l'état de santé de Blanc, c'est Kwadio qui est en bas. Ça, tout le monde, ils sont au courant. C'est ça, leur dit, c'est leur petit malade de façon crise carniaque, là. Sinon, leur... C'est quoi? Crise carniaque. Leur malade de façon, là. Sinon, l'état de santé, c'est Kwadio qui est en bas. Bien, monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pouvez nous faire la lumière sur ce dîner débat auquel vous venez de participer? Ouais, dans la première journée, on a coupé courant. Ça, c'est vrai, on a coupé courant. Je vous ai demandé de me faire la lumière. La lumière? Mais si on a coupé courant, c'est pas la lumière, on a coupé. Ah! Comment vous voulez que je regarde mes explications même? Monsieur le secrétaire général? Mais voilà, monsieur le secrétaire général? Vous sommes bandits. Monsieur le secrétaire général, monsieur Kaplo Maria, journaliste de la radio de Namlanso. Que pensez-vous de la planification et de la recherche? Je vous remercie. Le bas n'est pas comme Yoma. Mais tu vas courber ton tête jusqu'à 59 km². Tout est plat. Donc il y a planification. Il n'y a même pas montagne. Tout est plat. C'est là la planification? Mais s'il n'y a pas montagne, que tout est plat. Monsieur le secrétaire général, nous avons appris de sources bien informées que vous avez été cordialement reçu par le chancelier Villebron. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce propos? Mais ça, ce cordon m'a donné là, c'est pour attacher les pépinières de mon café cacao, mon petit. Ce n'est pas pour faire la distribution de tout le monde. Oui, monsieur, mon fils là. Sinon, ce n'est pas pour donner à tout le monde. J'ai un sortillon ici. Voilà ça. Alors, c'est là l'accueil cordial? Est-ce que je t'ai dit, c'est quand on m'a cueilli, on m'a donné ça? Hein? Ça, c'est un corps de personnel. Monsieur le secrétaire général, je voudrais savoir si vous aviez eu à trouver un consensus sur les relations bilatérales, par exemple. Mais, pardon, hein, ça là, si j'ai voulu faire répondement de vos questions, là, c'est pas l'appel, tu vas me poser des questions comme ça. Bande de savoir si j'ai de même catégorie avec toi. Hein? J'ai demandé si vous avez trouvé un consensus sur les relations d'amitié. Faut pas, mais est-ce que, comment toi, petit, tu vas me poser à faire des relations d'amitié? Tu n'as pas honte? Mais de quelle relation voulez-vous parler? De quelle relation tu veux me poser alors? Mais je veux parler de relations bilatérales. Bon, j'ai fait relation avec 20 femmes, vous n'avez qu'à faire ton journal. Monsieur le secrétaire général, c'est quoi ça? Vous venez de participer à un important sommet qui a regroupé presque tous les secrétaires généraux d'Afrique francophone. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui s'est passé? J'ai parti pour réunion, je ne peux pas faire sommeil, je ne peux pas me dormir comme ça. Quand quelque chose pour un réunion, tu es parti, s'il n'a pas fini, tu peux dormir, tu ne peux pas faire sommeil. Monsieur le secrétaire général, nous avons appris que vous refusez la candidature des jeunes cadres au poste de secrétaire général dans votre localité. Est-ce que nous voudrions savoir aussi le pourquoi? Bande de salauds, tu vois mon papa sur le canon, il a plein, même comme les animaux. Il n'y a pas aucun quelqu'un qui va même à secourir lui là. Est-ce que vous en êtes? Et vous ne mettez pas la fête de démocratie. Tant que je me suis mouru, je ne me suis pas mouru, je suis secrétaire général. Même si je me suis mouru, c'est mon petit qui va prendre place là. Monsieur le secrétaire général, en votre qualité de secrétaire général, est-ce que quel travail vous faites-vous d'abord? Vous ne voulez pas planter, vous n'êtes rien? Moi, j'ai à planter. C'est pas pour essayer le plantement. Oui. Tout le monde est au courant. Oui. J'ai à planter le gombotier. Ça, vous voulez planter quoi, s'il vous plaît? Gombotier. Ah. Gombotier, qu'est-ce que c'est? C'est bois de gombo, là. Bois de gombo. Oui. Voilà. Oui. J'ai à planter les cacaotiers. J'ai à planter les cannes à sucretiers. J'ai à planter les ignamitiers. Bas de salopou qui a rigolé, là. Cochon malade. Je n'ai pas. Allez-y, monsieur le secrétaire général. J'ai planté les maniocquiers. J'ai planté les cannes à sucretiers. J'ai planté les palmiers granitiers. J'ai même planté les nivakinitiers. Tout ça, tout le monde est au courant. C'est là même le président, même Blantec, il m'a élu.
Vous avez quoi? Il m'a élu. Pardon, pardon? Il m'a élu. Pardon? Il m'a élu. Non, on ne vous entend pas bien, expliquez-moi. Bon, c'est là, il m'a nommé président de tous les secrétaires généraux. Pardon? Président de tous les secrétaires généraux. Pardon, vous dites quoi là? Général. Expliquez-vous bien. Mais on n'entend rien, monsieur. C'est là, on m'a nommé président de tous les secrétaires généraux. Monsieur le secrétaire général, vraiment, vous n'êtes pas à la hauteur de l'interview. Pas de salaud, faut pas me dire comme ça encore. Tu es haut plus que moi? J'ai dit, vous n'êtes pas à la hauteur. Tu es haut plus que moi? Vous n'êtes pas me dire ça, hein? Non. Vous n'êtes pas à la hauteur de l'interview. Mais faut pas me dire comme ça, hein? Pas de ça, tu es haut plus que moi? Tu me dis, tu es haut plus que de ton papa. Faut pas me dire comme ça. Moi, j'ai quand même pensé que vous êtes un individu qui doit comprendre. Chien, Bouité Iwuliku. Tu vas me dire individu. Tu connais ça au fond? Bouité Iwuliku. J'ai dit, vous êtes quand même un individu qui doit comprendre. Ton papa, il est individu.